L'ombre du temps marque nos vies, à tout jamais dans les mémoires. Elle s'y installe, pleine de dépit, puis nous volons vers nos espoirs. Pinocchio s'habilla en chantant, puis courut jusqu'à l'atelier. « C'est moi ! » s'écria-t-il. « Je suis Pinocchio, et je suis un vrai garçon !» Gepetto l'embrassa en pleurant. « Maintenant, tu es vraiment mon fils, » dit-il. « Mais comment cela s'est-il fait ?» demanda Pinocchio. « C'est bien simple, quand les enfants deviennent meilleurs, ils transforment tout autour d'eux, et ils se transforment eux-mêmes. » Une petite voix sortit alors de la cheminée. C'était le grillon qui disait « Pinocchio, je crois bien que tu es devenu un bon petit garçon. » Pinocchio ne chercha pas d'objet à jeter vers le grillon. Il se contenta de sourire. Et il s'en fut chercher ses livres pour aller à l'école. Fin. Tu peux me lire une histoire, s'il te plaît? Non, il est déjà tard. Il faut que je rentre. Oui, mais tu pourrais dormir ici cette nuit. Il y a plein de chambres libres dans l'hôtel. Mais tu sais que j'ai mon petit garçon qui m'attend à la maison. Oui, je sais. Allez. Bonne nuit, petit chat. Bonne nuit. À demain. À demain.
Tout est parfait. Je pense qu'il est grand temps pour vous d'avancer dans votre vie. Je suis d'accord. Il y a maintenant de longs mois que je vous suis. C'est tout à fait normal d'avoir peur, d'être dans l'appréhension pour la suite. Mais tout va bien se passer, rassurez-vous. Je l'espère. Est-ce que vous dormez bien ? Oui, ça va. Enfin, est-ce que je ne pourrais pas bénéficier de quelques semaines supplémentaires ? Je ne pense pas que prolonger votre arrêt soit nécessaire. Vous avez commis une erreur, ce qui ne nous empêche pas d'être une bonne infirmière. Il est temps de sortir de chez vous, de reprendre le cours de votre vie. Vous en êtes capable, Calista. Oui, mais dans ce cas-là, est-ce que je ne pourrais pas avoir de nouveaux médicaments ? Juste le temps de faire la transition. Ils ne vous serviront à rien, nous en avons déjà beaucoup parlé. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, et vous ne le pourrez jamais. Votre seule option est de reprendre votre vie là où elle s'est arrêtée. Ce n'est pas la mienne qui s'est arrêtée. Des erreurs, on en commet tous les jours, dans tous les domaines et tous les métiers. Votre erreur est derrière vous. Vous verrez. Les premiers temps seront un petit peu difficiles, et puis au fur et à mesure, vous y penserez de moins en moins. Vous êtes jeune, vous avez le droit d'être heureuse. Calista ? Tout va bien, Calista ? Oui, oui, ça va. Merci, docteur. Calista, si les médecins te disent que tu en es capable, tu devrais les écouter. C'est ta vocation, ce métier. Non, c'était... Je pense pas que cela s'oublie. Mais bon sang, est-ce que l'un d'entre vous va finir par comprendre ce que c'est que d'être responsable de la mort d'une personne ? Mais non, bien sûr. Personne ne sait ce que tu peux ressentir. Mais tu as toujours eu ça en toi. Tu es une super infirmière. Tu as commis une erreur qui a coûté la vie de cette femme. Mais tu l'as jamais souhaité. Cette erreur te pèse beaucoup aujourd'hui. Mais je sais que tu es forte et que tu vas t'en sortir. Je peux pas. Il m'est impossible de retourner à l'hôpital. Soit. Deviens libérale. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Ce sera différent. Tu pourras choisir tes horaires, mieux connaître tes patients, et puis tu seras mieux payée. Je vois pas comment, en ayant moins de patients, je peux gagner davantage. J'ai peut-être le patient qu'il faut. Paul Kaplan. C'est un homme handicapé qui a besoin de soins au quotidien. Le salaire est très attractif parce qu'en échange, il te demande beaucoup de discrétion. Je peux t'arranger un rendez-vous si tu veux. Comment tu le connais ? Et comment tu sais qu'il cherche quelqu'un ? C'est des amis qui m'en ont parlé il n'y a pas longtemps. Ok, pourquoi pas. Je peux tenter un entretien. Ça me fera au moins sortir de ce foutu camping-car qui me sert d'appartement. Merci pour le tuyau. Capitaine Delaunay,
Lieutenant Tansky, vous êtes seul? J'avais demandé une équipe. Vous l'avez devant vous? Ah, ok. Bon, perdons pas de temps. Montrez-moi le corps. Il est en contrebas, près de cet étang. Très bien, je vous suis. Et vous, virez-moi ces clowns. Vous avez entendu le lieutenant? Circulez. Faites-moi un topo sur la situation. Un chasseur a retrouvé le corps tôt ce matin. Il a appelé la police municipale tout de suite après. Rien à signaler sur le chasseur? Non, il est clean. Son permis est à jour et tous ses papiers sont en règle. On le connaît bien dans la région, c'est quelqu'un de fiable. On connaît l'identité de la victime? Non, pas pour l'instant. On sait juste qu'il s'agit d'une femme d'une trentaine d'années. Elle n'a aucun document sur elle qui pourrait l'identifier, ni aucun signe distinctif. La police scientifique est actuellement en train d'enquêter. Des traces d'agression? De violence? Aucune blessure apparente. Peut-être une junkie, s'est fait un dernier fixe? Crise cardiaque? Lieutenant, si c'était juste un arrêt cardiaque, je ne vous aurais pas appelé en renfort. Capitaine, dites-moi pourquoi vous m'avez fait venir. J'espère que je perds pas mon temps. Ce cadavre n'est pas comme les autres. On a découvert quelque chose de très étrange sur elle. Le corps est recouvert de sang. De sang noir. Comment ça, du sang noir? La scientifique n'avait encore jamais vu ça. Vous avez contacté le légiste? Oui, c'est fait. J'espère qu'il pourra nous en apprendre plus. Messieurs, bonjour. Bonjour, docteur. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Il ne s'agit pas d'un meurtre. Pas de traces de coups, de strangulation, pas d'empoisonnement non plus. Rien ne ressort des examens toxicologiques, ni des hémocultures. Seul le sang semble être contaminé. Par contre, cette couleur, un vrai mystère, j'ai jamais vu ça. Vous êtes en train de nous dire qu'on ne saura pas ce qui a causé ce sang noir? Je n'en suis pas certain. J'ai envoyé des échantillons au laboratoire d'expertise. Peut-être qu'il s'agit d'une maladie développée suite à l'infection. Je ne sais pas. Je vous appelle dès que j'en sais plus. Entendu. Merci, docteur. Merci. Bon, résumons. Qu'est-ce qu'on a? Un corps qui sort de nulle part, une maladie ou une infection qui change la couleur du sang, et une mort qui, si elle n'est pas due à un homicide, reste quand même bien suspecte. Qu'est-ce que vous comptez faire, lieutenant? On attend les résultats des laboratoires? Non, ça prendra trop de temps. Je vais faire des recherches de mon côté. S'il s'agit d'une maladie, on va bien en trouver une trace quelque part. Sauf si elle est le patient zéro. Je devrais bien trouver quelque chose sur le net. Delaunay, je vais avoir besoin de vous. Je vais rester dans le coin quelque temps. Cette histoire sent la merde. Ça me va. Moi, de mon côté, je vais continuer les recherches. Très bien, on reste en contact. Ok. Au fait... Vous savez pas où je peux trouver un hôtel? Il y en a un juste à côté du commissariat. Je vais appeler pour vous réserver une chambre. Ça marche. Merci. Je vous en prie.
monsieur. Bonjour. Bienvenue. Vous avez une réservation? Lieutenant Tansky, police judiciaire. Oui, je vous ai. Ce sera la chambre numéro 30 au deuxième étage. Très bien, bonne je vous remercie. Merci. Ouais, Delaunay, c'est Tansky. Qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé les recherches sur les maladies liées au sang noir et je suis tombé sur un cas recensé en 1943 sous l'occupation. Il y avait une photo avec l'article. Et j'ai clairement reconnu notre victime. Vous plaisantez? C'est impossible. C'est sans doute un montage. C'est possible. Mais pourquoi faire un montage sur une photo aussi ancienne? Cette affaire est de plus en plus étrange. Quelqu'un essaye peut-être de brouiller les pistes. C'est à envisager. J'ai aussi récupéré le nom de la personne qui est sur la photo. Une certaine Élodie Mercier. Je vous envoie le lien. Mercier, ce nom me dit quelque chose. Écoutez, je regarde et je vous rappelle. Ouais, ça marche. Bonjour Madame Cordier, je vous laisse rentrer dans le bureau. Bonjour. Allez-y. Madame Cordier. Bonjour. Installez-vous. Merci. Jusqu'à présent, je gérais les soins quotidiens de Paul, Monsieur Kaplan. À partir d'aujourd'hui, je ne pourrai plus m'en occuper. Entendu. Dorénavant, j'ai trop à faire. De nouvelles responsabilités à l'hôpital m'obligent à déléguer. C'est pourquoi nous recherchons quelqu'un. Pourriez-vous être cette personne, Madame Cordier? Sans doute. Puis-je vous demander ce qui lui est arrivé? Monsieur Kaplan a été victime d'un très grave accident de la route. Il s'en est sorti, mais il a perdu l'usage de ses deux jambes. En acceptant le poste, vous allez devoir suivre scrupuleusement un certain nombre de règles. Vous les trouverez en annexe du contrat de travail. Puis-je vous en demander une copie? Bien entendu. Merci. Durant la semaine, il est indispensable que vous logiez sur place. Tous les soirs, de 22h jusqu'à 6h du matin, vous allez devoir rester dans votre chambre. Elle sera verrouillée et vous avez interdiction d'en sortir avant l'heure convenue. Enfermé. Pour quelle raison?
pour le bien-être de mon client. Il vous sera également interdit de discuter avec le reste du personnel, à l'exception du majordome. Cette règle vaut aussi pour votre relation avec M. Kaplan. Je vous demande de ne pas l'importuner et de rester la plus discrète possible. D'accord. Je vous laisse regarder la dernière page du contrat. C'est le plan de l'hôtel. La pièce marquée d'une croix rouge est une pièce qui vous est interdite d'accès. Elle sera verrouillée et vous ne devez jamais l'approcher. Ces règles sont très strictes, nous en sommes conscients. C'est pour cette raison que ce poste est très bien rémunéré. Vous avez le montant en page 2. Effectivement, nous sommes très loin de mon salaire d'infirmière. J'insiste sur le fait que vous devez être certaine de votre choix et que vous ayez bien compris les obligations strictes liées à ce poste. En cas de non-respect d'une des clauses contractuelles, vous subiriez une pénalité de 100 000 euros et nous ferions en sorte que vous perdiez rapidement votre licence. Paul est très discret. Il n'y a rien de compliqué dans ce poste. À part respecter les règles, comme partout. Vous pouvez prendre le temps de la réflexion si vous le souhaitez. Non, ce ne sera pas nécessaire. J'accepte le contrat. Très bien. Je vous laisse donc le signer. S'il vous plaît. Il y a quelqu'un? Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, je suis la nouvelle infirmière. Peu importe, c'est une propriété privée ici. Je sais, mais j'ai essayé de rentrer, mais la grille était fermée. Un souci, Rodolphe? Non. Tout va bien, Edouard. Bonjour, mademoiselle Cordier. Bonjour, je suis Calista, la nouvelle infirmière de Monsieur Kaplan. Très bien, suivez-moi. Bonjour, Monsieur Kaplan. Enchanté de faire votre connaissance. Monsieur Kaplan. Voici Calista Cordier. C'est la femme que Eric a engagée.
Ouais, je sais. Je suis vraiment heureuse de pouvoir m'occuper de vous. Je vais faire mon maximum pour que... Et ici, il y a des règles strictes. Si vous ne les respectez pas, vous êtes viré sur le champ. Est-ce que je suis clair? Je le sais. Tout est stipulé dans votre contrat. Vous pouvez compter sur moi. Parfait. Edouard, montez à la chambre de Mademoiselle Cordier, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Il est bientôt 22h. Il est temps de rejoindre vos appartements. Entendu. Bonne nuit, mademoiselle. Qu'est-ce que vous foutez là? J'ai du nouveau. Qu'est-ce que c'est? Une copie des archives de la police. Elodie Mercier, ce nom me disait quelque chose. C'est une ancienne affaire. Elle a disparu sans laisser de traces le 13 mai 1983. C'est quoi ce bordel? Qui était sur l'affaire à l'époque? L'inspecteur Klein, mais il est décédé aujourd'hui. À l'époque de l'affaire, il était déjà en pré-retraite. Et on n'a jamais retrouvé cette Elodie Mercier? Si. Nous. Donc une personne qui a disparu en 1983 réapparaît sur une photo en 1943 et est retrouvée morte aujourd'hui en 2023? On dirait un cycle de 40 ans, avant et après sa disparition. C'est impossible. Ça colle pas. Le dossier fait aussi mention d'un fils, Stéphane Mercier. Il est rentré dans les ordres assez jeune et réside toujours dans un monastère. Vous avez l'adresse? Je vais l'envoyer sur votre téléphone. Bon. Étudiez le dossier dans ses moindres détails. Moi, je vais essayer de mettre la main sur Stéphane Mercier. Entendu. On reste en contact. Entrez.
Tout va bien? Je nous fais pas mal? Cet hôtel est vraiment incroyable. Il est à vous depuis longtemps? J'ai eu comprendre qu'il appartenait à votre famille depuis plusieurs générations. Vous y avez toujours vécu? Vous savez, étant donné qu'on va être ensemble pendant un moment, j'aimerais apprendre à mieux vous connaître. Je vous rappelle qu'il vous a interdit de me parler. Oui, mais je... C'est clairement écrit dans votre contrat de travail. Veuillez m'excuser. Je voulais simplement que les soins passent plus vite. Je ne le ferai plus. Lieutenant Tansky, on vous a prévenu de ma visite. Bonjour, je suis le père supérieur, je m'occupe de ces lieux. Que puis-je pour vous? Je suis à la recherche d'un prêtre qui vivrait ici depuis quelques années, un certain Stéphane Mercier. Il doit avoir dans la trentaine. Ah, Stéphane, oui. Il n'est plus ici depuis quelques jours, il est parti en pèlerinage à Rome. Et merde! Excusez-moi, j'ai appris qu'il avait perdu sa mère assez jeune et j'aurais aimé discuter de ça avec lui. Rassurez-moi, lieutenant, Stéphane n'a pas d'ennui? Non, non, ne vous inquiétez pas. C'est juste que son témoignage pourrait m'éclairer dans une affaire en cours. C'est lié à sa mère? En partie. Mais vous qui le connaissez bien, est-ce que vous pouvez m'en apprendre un peu plus à son sujet? Stéphane est une personne joviale et altruiste. Il est rempli de compassion, c'est un garçon brillant. Concernant sa mère, je ne peux malheureusement pas vous répondre avec certitude. Il n'en parle jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'il est très épanoui et dévoué à nos côtés. Et il reçoit des visites de temps en temps? Pas à ma connaissance. Il ne sort jamais du monastère. Sauf pour le pèlerinage dont vous m'avez parlé un peu plus tôt? Certes. Très bien. Tenez ma carte. Prévenez-moi quand il sera de retour. Bien sûr. Au revoir. Tansky. Venez, je suis à la morgue. Le cadavre a disparu. Quoi? Comment ça a disparu? Cette putain de morgue n'est pas surveillée? En théorie, si, j'ai vérifié les caméras de surveillance, je pense qu'elles ont été détournées. Je savais que cette histoire sentait la merde. Delaunay, on se retrouve au labo. Je suis déjà sur place, je vous attends. Sinon, qu'est-ce que ça a donné avec le fils? Il est en pèlerinage à Rome. Vous êtes sérieux? C'est pas un hasard. Le père supérieur ne m'a pas tout dit. Il va falloir se méfier. On essaye de nous mettre des bâtons dans les roues. Ça veut dire qu'on est sur la bonne piste. Ouais, c'est sûr. Allez, à tout à l'heure, Delaunay. Entendu. Comme je vous disais, je suis navré de cette disparition. Nous voulions consulter les vidéos de surveillance, mais apparemment, aucune caméra n'a fonctionné. J'ignore la raison de cette défaillance. Une défaillance? Mais ça pourrait compromettre toute autre enquête. Lieutenant Tansky, vous êtes qui, vous?
C'est vous le responsable de tout ce merdier? Docteur Eric Vasseur, effectivement, je suis chef de cet établissement. Et Légis qui s'occupe de dossier, il est où? Il a demandé sa mutation il y a des mois, il est parti hier. Ouais, c'est ça, vous foutez pas de ma gueule. Écoutez, lieutenant, je suis désolé, nous allons ouvrir une enquête interne pour comprendre ce qui s'est passé ici. Si vous voulez bien m'excuser. Vous pensez comme moi? Que la disparition du cadavre n'est pas due au hasard? Le légiste, il n'a pas été muté. C'est lui qui a volé le corps. Et pourquoi il aurait fait ça? Je sais pas, la recherche peut-être. Non, ça tient pas debout. Bon, il va falloir trouver des indices. Un cadavre peut pas disparaître comme ça sans laisser de traces. Bonjour Rodolphe, où est Edouard? Je dois lui parler. Il est parti faire une course en ville, aller voir M. Kaplan. Non, surtout pas. Vous m'avez l'air perturbé, docteur. Gardez-le pour vous, mais la police commence à se rapprocher de nous. Je n'aime pas ça. Vous pensez qu'il pourrait remonter jusqu'à l'hôtel? C'est fort probable. Dans ce cas-là, nous devons agir. Vous vous rendez compte des conséquences que cela implique? Je sais. L'hôtel doit impérativement être protégé. Vous n'avez qu'à appeler l'avocat? J'y ai déjà pensé, bien sûr. Mais je voulais avoir l'autorisation d'Edouard auparavant. Un conseil, n'attendez pas. Très bien. J'ai rendez-vous dans une heure à l'hôpital. Dès qu'il est de retour, dites à Edouard de m'appeler. En attendant, restez discret. Comptez sur moi, docteur. Au revoir, Monsieur Kaplan. Bon week-end. Bien. Oui, merci. Vous êtes livide? Non, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Vous êtes sûr? Je peux aller vous chercher un verre d'eau s'il le faut. Non, ça va, merci. Bon, d'accord. Alors bon week-end. Merci. À lundi. À vous aussi. Café? Sans sucre? Ouais. Merci.
Le légiste, il m'a toujours pas rappelé. Pourtant, je lui ai laissé plusieurs messages. On sait toujours pas où est ce putain de corps, et ce docteur Vasseur. Il est pas clair. Pourquoi? J'en sais rien, je le sens pas. Excusez-moi. Oui, Tansky? Je suis Stéphane Mercier. Si vous voulez connaître toute la vérité sur ma mère, rendez-vous dans une heure au monastère. Allô? C'était qui? Stéphane Mercier, le fils de la victime. Mais il est pas censé être en pèlerinage? Bah, il faut croire que non. Il m'a donné rendez-vous au monastère. Son témoignage, c'est peut-être la clé de toute cette histoire. Bon, j'y vais. Je viens avec vous. Non, restez là. Il y a sûrement une taupe dans l'hôpital, il faut mettre la main dessus. Entendu, je m'en charge. Lieutenant Tansky? Monsieur Mercier, je croyais que vous étiez en pèlerinage à Rome. Je suis désolé, j'ai supplié le père supérieur de mentir. Pour quelle raison? J'ai préféré m'isoler quelques temps quand j'ai lu les journaux. Difficile d'apprendre que sa mère a été retrouvée morte après toutes ces années. Je comprends. Mais est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur votre mère? Alors que j'étais encore enfant, elle a soudainement disparu un soir d'orage en 1983. Comment ça a disparu? Oui, c'est le démon de l'hôtel de M. Kaplan qui l'a attaqué. De quoi parlez-vous? Ça peut paraître fou, mais ces lieux sont possédés. L'affaire a été classée sans suite grâce à l'intervention de l'avocat de cette maudite famille. Vous êtes en train de me dire que c'est la famille Kaplan qui a fait disparaître votre mère? Je l'ai toujours cru, mais un jour, un miracle est arrivé. Quel miracle? Il y a quelques années de cela, ma mère m'a retrouvé. Elle n'était pas morte et n'avait pas changé. Aucun signe de vieillesse sur son visage et sur son corps. Et vous m'avez parlé d'un démon tout à l'heure. Les Kaplan le cachent depuis très longtemps dans leur hôtel. Je reste persuadé que c'est l'explication de toute cette histoire. Fouillez-le, vous y trouverez toutes vos réponses, lieutenant. J'y compte bien. Merci pour ces informations, monsieur Mercier. Elles me sont d'une aide précieuse. Au revoir. Ce que je veux, c'est la vérité. Moi aussi. Vous êtes bien installé? Votre chambre vous convient? Oui, ma chambre me convient tout à fait. Merci. Dites-moi, monsieur Kaplan, est-ce que je peux vous parler librement? Bien sûr, allez-y. Il y a encore quelque chose qui me met mal à l'aise. Et de quoi s'agit-il? Je n'aime pas trop l'idée d'être enfermée. Si j'ai besoin de sortir en cas d'urgence, je ne veux vraiment pas manquer à mon contrat de travail. Et s'il faut, je ne sortirai pas, mais je préférerais que la porte reste fermée. Et non pas verrouillé. C'est une des clauses non négociables de votre contrat, et vous le savez. Oui. Désolée.
Putain, mais vous êtes qui? Qu'est-ce que vous foutez dans la chambre? Bonjour, lieutenant Tansky. Je suis maître Robert Collet, l'avocat de Monsieur Kaplan. Kaplan? J'ai un témoin qui a mentionné son nom dans une affaire en cours. Vous divaguez. L'affaire de 1983 a été définitivement classée. Cette histoire appartient au passé. Au passé, mon cul. Je vais quand même aller voir votre client et perquisitionner son hôtel. Je pense que je peux y trouver des choses intéressantes. Vous avez une piste? C'est confidentiel. Non. Vous voyez, quand je parle de piste sérieuse. Pas des ragots, des suppositions. J'y travaille. J'aurai bientôt des preuves accablantes contre Monsieur Kaplan. Tant que vous n'avez pas d'éléments tangibles plus solides pour relancer cette affaire, vous avez interdiction de mettre les pieds à l'hôtel de Monsieur Kaplan. La famille de mon client a été très affectée par la disparition de Madame Mercier. Elle tenait à sa personne. Quand Monsieur Kaplan était enfant, Madame Mercier était sa nourrice. Et il la considérait comme sa seconde mère. Ne venez pas remuer les fantômes du passé. Je cherche la vérité, maître. Et cette vérité se trouve dans cet hôtel. Monsieur Tansky, j'ai eu votre patron au téléphone. Il vous attend sur Paris très prochainement. Une affaire de meurtre à résoudre. Il a besoin de vos talents. Quand j'aurai fait mon rapport, la direction m'enverra ici. Au revoir, Monsieur Tansky. Faites bonne route jusqu'à Paris. Et je ne compte pas vous revoir par ici. Je lâcherai pas l'affaire, maître. Et vous le savez. Comme vous le savez sûrement, cet hôtel est dans ma famille depuis 2 décennies. J'y ai toujours vécu et j'y suis très attaché. J'imagine bien. Avec les matériaux et les techniques actuelles, on ne saurait plus construire de bâtiments comme celui-ci. C'est comme les moulures sculptées à l'intérieur. Cet hôtel a une âme. Il a vécu tellement d'événements. Monsieur Kaplan, est-ce que je peux vous demander, pourrais-je séjourner ici également les week-ends? Je me sens tellement bien dans votre propriété. Eh bien, D'accord. Je devrais pouvoir accéder à votre requête. Je vais en discuter avec mon avocat. Ce serait formidable, monsieur. Je dois vous avouer que je suis assez satisfait de votre travail. J'ai moins de douleurs et surtout, je me sens beaucoup moins seul. Je suis ravi de pouvoir vous soulager. Dorénavant, je demanderai à ce que vous ne dormiez plus enfermé. Il n'y a plus aucune raison. Maintenant, je sais que je peux vous faire confiance. Je vous remercie, monsieur Kaplan. Je vous avoue que de devoir rester enfermé en cas d'urgence était vraiment difficile à vivre. Je demanderai à ce que la porte reste ouverte. Cependant, attention, je vous mets en garde. Même avec la porte ouverte, vous ne devez pas sortir de votre chambre. Thank you.
va bien, mademoiselle Cordier? Oui, ça va. Ça n'a pas l'air pourtant. Non, mais j'ai dû prendre un petit coup chaud dehors, je vais m'allonger dans ma chambre. Je peux vous amener un verre d'eau, s'il vous plaît. Non, non, c'est inutile. Merci. Qui êtes-vous? Je vais bientôt mourir. Mourir. Si vous réussissez, tout doit finir. Tout doit finir. Si vous voulez nous aider, prenez ce carnet. Et surtout, quittez cet hôtel, il est maudit. Fuyez! Décroche, allez! Calista? Tu sais qu'on est au plein milieu de la nuit? Bon sang, Célia, j'ai de nouvelles visions. J'ai vu une femme, elle m'a donné un carnet et... Doucement, Calista, je comprends rien et j'entends qu'un mot sur deux. Qu'est-ce qui se passe? Tu es où? À l'hôtel? Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Chez moi non plus. Je vois d'autres personnes mortes, celle-ci. Elle ne faut pas qu'elle me regarde, elle m'a parlé. C'est incompréhensible, Calista. Calme-toi, s'il te plaît. Respire. Ah, doucement. C'est bien. Dis-moi où tu es, je vais te rejoindre. Je suis dans la forêt, à côté de l'hôtel de M. Kaplan. Ok, bouge pas, j'arrive. D'accord.
Alors vas-y, raconte-moi. Il y a un cadavre qui a été retrouvé il y a quelques jours par la police. T'as dû en entendre parler? Oui, Christophe m'en a parlé. C'était une femme. Et j'ai retrouvé son cadavre dans la propriété de Monsieur Kaplan. Et quelques heures plus tard, je la vois en vie face à moi. Non, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, redis-moi. Est-ce que tu te rends compte? Je l'ai vue morte, cachée dans la propriété. Et ensuite, je la vois et elle me parle. Mais quelle histoire! Écoute-toi et réfléchis. Si on a retrouvé son corps il y a quelques jours, tu te doutes bien qu'il pouvait pas être avec toi tout à l'heure et encore moins à l'hôtel. Je l'ai vu et entendu, comme je te vois là maintenant. C'est tes visions qui reprennent. Est-ce que tu te reposes? Tu prends tes médicaments? Ce ne sont pas mes visions, elle m'a donné un carnet. Regarde. Écoute, je ne sais pas ce que t'as vu, mais il faut que tu retournes à l'hôtel. Tu t'es engagé, tu te rappelles? Et te balader dans la forêt en pleine nuit n'en fait pas partie. Tu as sans doute raison. Je risque de perdre la confiance de M. Kaplan. J'ai mis tant de temps à gagner. Et pire encore. Allez, file. Et pour la femme, on fait quoi? Bah donne-moi des éléments et d'autres preuves et je t'aiderai. Mais pour l'instant, tu dois rentrer. Et fais attention à toi. Merci. Merci mille fois. Tiens, donne le carnet à ton mari. Il pourra peut-être m'aider. Bonjour, ça va? Oui, papa. Bien dormi? Tiens, c'est pour toi. On m'a confié ce carnet et après l'avoir lu, je pense que ce qu'il contient pourrait vraiment t'intéresser. Je peux savoir qui te l'a donné? Anna, va jouer au salon. Oui, maman. Tu te souviens de Calista? Oui, ta copine infirmière qui a... Oui. Eh ben, elle travaille plus à l'hôpital, mais à l'hôtel. Et je ne sais pas comment elle a eu ce carnet. Mais quel rapport avec moi? Elle m'a juste dit de te le donner, c'est tout. Attends, un hôtel, mais tu me parles de quel hôtel, là? Celui de Paul Cap, hein. Attends, t'es en train de me dire que ta copine travaille pour Paul Kaplan? Christophe, pose-toi et lis calmement ce carnet. Par contre, promets-moi une chose. De ne pas dire comment tu l'as eu. Après tout ce qu'elle a vécu, je voudrais pas qu'il lui arrive des problèmes. Sois sans crainte, Célia. Ça restera confidentiel. Merci.
Je m'appelle Élodie Mercier, et si vous lisez mon journal, c'est que je ne suis plus de ce monde. Pour moi, tout a basculé un soir durant l'été 1983. Un terrible orage a eu lieu, et celui-ci m'a plongée dans le noir pour toujours. Alors que je luttais contre les ténèbres, une force obscure m'a aspirée et entraînée dans une autre époque. Ce premier saut dans le temps m'emmena en 1943, sous l'occupation, où je fus arrêtée et capturée, puis mise à l'asile. Je subis de nombreuses expérimentations qui me plongèrent dans le plus grand désarroi. Ce fut aussi la première fois que je constatais le changement de couleur de mon sang. Une seconde aspiration par le monstre des Kaplan me conduisit dans le futur, en 2003, où je pus retrouver mon fils. Malheureusement, nos retrouvailles furent de très courte durée. Le sang noir marqua de nombreux stigmates sur mon corps. Plus j'étais soumise au changement d'époque, plus ma vie prenait fin. Je décidai alors d'écrire mon histoire pour que personne ne subisse les affres que je traversais. L'ombre me transporte plusieurs jours, ou parfois seulement quelques minutes à différentes époques de 20 ans d'écart. J'ai décidé de cacher ce livre à l'endroit même où tout a commencé, à l'hôtel de la famille Kaplan. Je dois agir, car le sang noir me fera bientôt taire, et je tomberai alors dans l'oubli. Mon nom, Élodie Mercier, deviendra sans doute une histoire que les gens se raconteront pour s'effrayer. Ma fin est proche, et malgré les regrets, elle sonnera aussi ma délivrance de tous ces calvaires. J'espère sincèrement que celle-ci servira à faire éclater la vérité. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Comment c'est possible ? Que dit ton instinct ? Que cette explication rend toute cette affaire logique. On avait raison depuis le début. Je dois appeler Tansky. Réponds-la. Laisse-lui un message. Non, je préfère pas. Quelques mots ne suffiraient pas, et puis je préfère rester prudent. Je vais y aller. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas où ? Je vais aller à l'hôtel. Il faut que je fouille et que je découvre ce qui se passe là-bas. Mais non, Christophe, c'est trop risqué. Si ce que dit le carnet est la vérité, tu vas te mettre en danger. Si je suis en danger, ton ami Calista l'est aussi. Je me dois d'aller l'aider. Je serai prudent, je te le promets. Je t'en prie, Christophe. Fais attention à toi. Rassure-toi. Tu vas où, papa ? Je reviens vite, t'inquiète pas. Tu restes avec maman. Je te laisse le carnet. Peut-être pourrions-nous aller faire un tour dans le parc après les soirs. Enfin, si vous n'avez rien d'autre à faire. Excusez-moi, vous disiez ? Je vous proposais d'aller faire un tour dans le parc. Oui, pourquoi pas ? Cet après-midi ? Non, je préférerais après les soins. Je risque d'être occupé ensuite. Enfin, peut-être avez-vous quelque chose de prévu ? Non. Enfin, oui, je... Vous semblez ailleurs, Calista. Tout va bien ? Oui, merci. Vous êtes sûr ? Vous me paraissez pâle ce matin. Je vous remercie de votre sollicitude, Monsieur Kaplan. Tout va bien. Bon. En fait, j'ai simplement mal dormi cette nuit et... Mais ne vous inquiétez pas. Très bien. Bah, allez vous reposer. On sortira une prochaine fois. Merci.
compte sur vous, Rodolphe. À la prochaine, docteur. Bonne journée. Merci, vous aussi. Vas-y, rentre! Tu vas bien? Bien, et toi? Oui, merci. Je te laisse un colis. Je le récupérerai lundi prochain. Ok, pas de soucis. Chut. Putain, t'as été suivi. Planto. Bouge pas. Pose ça par terre. Où est le docteur? Je l'ai vu rentrer. Lâchez votre arme. Vous faites une grave erreur. Ne m'obligez pas à vous injecter cette dose d'héroïne. On bouge plus, bande d'enfoirés! Toi, lâche ça! Lâche ça! De l'honneur, occupez-vous du doc! Vas-y, parle! On sait qu'une personne de l'entourage de M. Kaplan a fait disparaître le corps à la morgue. Je veux parler à mon avocat. N'essaie pas de gagner du temps. De toute manière, on va fouiller l'hôtel de Kaplan. On va mettre tout le monde en examen. Et puis on va parler de cette histoire aux médias. Ils vont se faire un plaisir de la diffuser. Vous commettez une grave erreur. Cet hôtel doit être protégé à tout prix. Protégé ? Protégé de quoi ? Si j'avoue tout, vous me promettez que cette histoire ne sera pas médiatisée ? Vas-y, mets-toi à table ! T'as rien à négocier. Si ce que tu dis est intéressant, peut-être qu'on pourra te faire une fleur. Ok, ok. Je reconnais les faits. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai sorti le cadavre d'Élodie de la morgue. Élodie ? Tu connaissais la victime ? Non, pas moi. Kaplan, c'est Kaplan qui la connaissait. Et le corps, qu'est-ce que t'en as foutu ? Je l'ai caché. Dis-nous où et pourquoi. À l'hôtel. Mais c'était uniquement dans un but de protection. De protection, te fous pas de notre gueule. Et qu'est-ce que vous trafiquez avec le jardinier? De la drogue? Non, ce n'est pas de la drogue. C'est un traitement pour Paul. Un traitement? Quel traitement? À base d'une variété de champignons très particulière. Sans son traitement, il est condamné à une mort lente et atroce. Et c'est pas très légal, ça, j'imagine. Faites-moi confiance. Ce qui se passe dans cet hôtel doit impérativement rester secret. Cet hôtel, qu'est-ce qu'il renferme réellement? Un monstre? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai lu le carnet d'Élodie. Un carnet? Je sais tout. Elle a voyagé dans le temps. Vous vous délirez. C'est bon, les collègues arrivent. Ils vont s'occuper de lui. Je vous en prie, ne leur dites rien. On en a assez entendu. Delaunay, il est temps d'aller voir ce qui se passe là-bas. Je suis assez d'accord.
Cherchez quelque chose? Non, excusez-moi, je voulais aller à ma chambre. Dans ce cas-là, vous êtes trompé de direction. Oui, oui, je me suis trompé de porte. Excusez-moi. Des gens ici! Calista, retournez dans votre chambre, immédiatement! Non! Je refuse! Non! Ah! Je me suis évanouie. Calmez-vous, asseyez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Cet hôtel est une sorte... comme une sorte de prison que nous surveillons de génération en génération. Et aujourd'hui, c'est à moi qu'accomplit cette lourde tâche. Une prison? Pour qui? L'ombre que vous avez vue est maléfique. C'est une espèce de démon. Si on la laisse sortir, elle voyage dans le noir et s'attaque à des personnes et finit par les tuer. Un démon, mais ça n'existe pas. J'aimerais que cette histoire de démon ne soit qu'une légende. Pourtant, elle est bel et bien réelle. Pourquoi vous êtes en fauteuil? Je vous ai vu tout à l'heure vous lever. Vous m'avez menti depuis le début. Calista, je sais que c'est difficile à comprendre. Et je le conçois. Mais cette ombre prend possession de ses victimes et les fait voyager dans le temps à des périodes aléatoires. Au plus il y a de voyages, au plus la personne est contaminée et au plus on s'en vire au noir. Jusqu'à ce qu'elle finisse par mourir. Des voyages dans le temps, ça n'explique pas votre situation, Paul. Suite au décès brutal de ma femme, j'ai voulu voyager dans le temps pour empêcher son accident et sa mort stupide et prématurée. C'était un très gros risque. Mon père me l'avait interdit à l'époque. Mais la douleur était trop grande. Je me suis préparé et j'ai pensé pouvoir contrôler l'ombre. J'ai été naïf. Elle a fini par avoir le dessus sur moi et maintenant, elle me tue lentement. Vous êtes mourant? Eric, mon ami d'enfance, est devenu mon médecin. Et c'est lui qui a trouvé le traitement grâce au champignon de Rodolphe. Tous les jours, je prends ce traitement qui bloque les effets de l'ombre sur moi et qui m'empêche de voyager dans le temps. Mon sang a retrouvé sa couleur normale, mais comme tout a une contrepartie, je perds l'usage de mes jambes, sauf si j'arrête le traitement. Et qui était cette femme dans le camion frigorifique? C'était Elodie. C'était ma nounou. Votre nounou? En 1983, suite à un violent orage, il y a eu une coupure de courant. L'ombre a réussi à s'échapper et elle a attaqué Elodie, qui a disparu par la suite. J'étais très jeune quand tout cela est arrivé, c'est pour ça que je prends toutes ces précautions. Je ne vais pas pouvoir rester.
Je suis vraiment désolée. Paul. Calista! Calista, attendez s'il vous plaît. Je voulais vous remercier pour votre travail et votre bienveillance. Je vous en prie, Paul. Je suis vraiment navrée de vous quitter comme ça, mais je peux vraiment pas rester ici. Je comprends. Mais je vais être habituée à votre présence. Prenez soin de vous. Christophe? Monsieur Kaplan, nous sommes informés de ce qui se passe dans votre hôtel. Nous venons chercher Mademoiselle Cordier. A priori, elle est plus en sécurité ici. Allez, assez discuté. Je vais aller faire un petit tour dans l'hôtel. Je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes à trouver. C'est hors de question. Vous êtes sur une propriété privée. Édouard, appelez notre avocat. Très bien, monsieur. Toi, tu bouges pas. Pose ton téléphone. Allez, pose-le. Delaunay, surveillez-moi tout ce petit monde. Je vais aller faire un tour. J'en ai pas pour longtemps. Ça marche. Arrêtez, bon sang! Vous n'avez pas fouillé chez moi sans mon autorisation! Rappelle ton coéquipier, il ne doit surtout pas fouiller la maison. Il ne doit pas libérer l'ombre. L'ombre? Comme dans le carnet d'Elodie? Merde! N'ouvrez pas cette porte! Elle renferme un démon! Delaunay, qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes fou? Vous entendez? C'est ce que je pensais! Il faut ouvrir cette porte! Non, attendez! Non! Ne soyez pas triste, Calista. J'ai déjà bien vécu. Et je vais aller retrouver ma merveilleuse épouse. Ne parlez pas. On va appeler les secours. Vous savez très bien qu'il ne pourra rien pour moi. Calista, s'il vous plaît, remplacez-moi pour surveiller l'hôtel. Non, je peux pas. Vous êtes une belle personne, Calista. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je suis enfin libéré de tout ça. Monsieur Kaplan? Monsieur Kaplan? Mademoiselle, vous devez rester avec nous. Je vous aiderai. Non, c'est impossible. Qu'allons-nous faire sans protection? Vous allez le faire, Edouard. Je suis désolée. Thank you.
désolée. C'est d'accord. Je veux bien garder cet endroit et empêcher que d'autres personnes ne soient attaquées. Tu es certaine de ce que tu fais? De ce que ça implique? Je pense, oui. Tu te sens bien? Tansky. Je dois retrouver Tansky. Impossible. L'ombre l'a renvoyé dans le temps. Il est condamné. Il doit y avoir une solution, le médicament à base de champignons peut-être? Il est hors de question que je te laisse te faire happer par cette chose. Tu as ta famille. Je pensais pas à ça. Je vais lire et relire le carnet d'Elodie. Il y a peut-être une solution à l'intérieur. Nous allons t'aider. Merci, Calista. Mais toi, tu veux vraiment rester ici? Je vais donner un nouveau sens à ma vie. Edouard me guidera. On se revoit bientôt, alors? Célia et toi, vous êtes toujours les bienvenus. Et Eric, libérez-le. On a besoin de lui. Entendu. Comptez sur moi. L'ombre du temps marque nos vies, à tout jamais, dans les mémoires. Elle s'y installe, pleine de dépit. Puis, nous volons vers nos espoirs. Elle renferme un démon. Delaunay, qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes fou? Il faut ouvrir cette porte! Non, attendez! Excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas possible. Lieutenant Tansky. Laissez-moi. Vous m'entendez? Cessez de courir, ça fait 40 ans qu'on vous attend. Qu'est-ce que vous dites? Venez avec moi. J'ai la solution à votre problème. Mais vous êtes qui, bordel? Arrêtez de poser des questions et venez avec moi. Allez vous asseoir. Mon père vous attend. Votre père? Je vous avais dit de pas y aller. De quoi parlez-vous? Vous êtes trop impulsif, lieutenant Tansky. Delaunay?
Prenez ce sac. Il contient tout ce qu'il vous faut. Qu'est-ce que c'est ? Une solution sur laquelle j'ai longuement travaillé avec Calista et le jardinier de Kaplan. Elle vous permettra de vous soigner de la maladie du sang noir et sans aucun effet secondaire. Je vous en dois une, Delaunay. Ah, vous me devez rien. Par contre, si je prends le traitement, je pourrai jamais revenir en 2023. C'est à vous de choisir. La vie ici, la mort ailleurs. Et le futur, ça donne quoi alors ? Plutôt pas mal. Ça a bien progressé, la vie est agréable. Bon, ben j'ai pas le choix. Je crois que je vais rester. Eh bien, bienvenue en 2063, lieutenant Tansky. Pour résumer, la transplantation cardiaque consiste à remplacer un cœur défaillant par le cœur cardiaque donneur. Madame Muller ? Oui, je vous écoute, docteur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'opération est délicate, mais je reste confiant. Et vous avez trouvé une personne compatible ? Vous êtes sur liste d'attente. Alors, nous pourrons vous opérer. L'intervention durera entre 4 et 8 heures. Et ensuite ? Après l'opération, nous vous administrerons un traitement afin d'éviter que votre corps ne rejette la greffe. La convalescence sera longue. Oui ? Excusez-moi, docteur, on vous demande en urgence à la 290. Excusez-moi. Madame Muller ? Oui ? Je me présente, Calista Cordier, infirmière de bloc opératoire. Je travaille avec le docteur Carrier sur ses interventions. Nous avons déjà pratiqué cette opération de nombreuses fois. Tout se passera bien. Je l'espère. Je vous laisse vous installer, que je vous examine. Allez-y, doucement. Inspirez. Encore.
Rassurez-vous, je serai à vos côtés tout le long de l'intervention.